Expecto Patronum. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel. Alors, ce sera un tutoriel pour fabriquer une boîte à flemme. Alors, voici ce que c'est. Et si vous ne voyez toujours pas ce que c'est, voici les images. Des boîtes à flemme, des bonbons qui rendent malade. Ça te permet de sécher les cours quand tu veux. Remplace des heures d'ennui par des heures de plaisir. Tu en veux un autre ? Alors voilà, j'espère que maintenant vous vous en souvenez. Donc ce sont les boîtes dans lesquelles Fred et Georges mettent leurs prototypes de bonbons comme les nougats nés en sang, les pastilles de gerbe, etc. On peut les voir uniquement dans le 5e film. Et donc c'est, comme vous l'avez vu, ce sont des boîtes oranges qui s'ouvrent un peu de partout et dans lesquelles ils ont rangé leurs bonbons. Donc je vais commencer tout de suite le tutoriel. Alors tout d'abord, nous allons commencer par faire la structure de la boîte. Donc la boîte, vous l'aurez vu, c'est un cube. Donc ici, sous vos yeux, vous avez donc le patron d'un cube. Donc un cube, bien sûr, 6 faces. Et donc vous découpez dans un grand carton. Donc les carrés font environ 15 cm de côté. Je disais, vous découpez donc dans un grand carton le patron. Donc vous le voyez, là c'est donc 4 cubes et 2 de chaque côté. Donc vous essayez de trouver un grand carton, ou sinon ce que vous pouvez faire c'est découper les carrés un à un et ensuite les attacher, mais faites bien attention qu'ils soient bien disposés exactement comme ceci, c'est très important pour la suite. Alors ensuite vous avez vu dans la petite vidéo que l'extérieur de ces boîtes sont orange. Donc nous allons commencer tout de suite la peinture, donc bien sûr de la peinture orange. Alors en attendant que ça sèche, on va se lancer dans la confection des deux tiroirs qu'il y a de chaque côté. Donc je parle de celui-ci et de celui-ci. Alors pour les deux tiroirs réunis, vous aurez besoin de 4 rectangles de 4,5 cm sur 14 cm, 2 rectangles de 14 cm sur 7 cm et 4 rectangles de 4,5 cm sur 7 cm. Alors bien sûr le but c'est de former ceci, donc vous voyez bien que c'est rectangulaire. Donc essayez de bien respecter les proportions, sinon à la fin la boîte ne risque de pas fermer entièrement. Alors moi personnellement je m'embête pas puisque je vais tout assembler avec du scotch. Alors pour un seul tiroir vous aurez besoin d'une partie de 14 sur 7, de deux parties de 4,5 sur 7 et de deux parties de 14 sur 5,5. Donc je vais vous montrer la convection d'un tiroir et pour le deuxième donc ça sera exactement pareil. Alors on va essayer de faire ça un petit peu à l'arrache, on va voir ce que ça va donner. Alors de toute façon je pense que vous l'aurez deviné, c'est pas compliqué. Hop, les deux parties les plus larges sur les côtés les plus larges et les deux parties les plus petites sur les deux côtés les plus petits, tout simplement. Donc j'aurais très bien pu faire un patron comme je l'ai fait pour la structure principale de la boîte. Sauf que je n'avais plus de morceaux de carton assez grands, du coup ben je me suis débrouillée comme ça. Ça démontre qu'on peut le faire avec n'importe quel morceau de carton. Voilà, donc une fois que vous avez assemblé ceci, donc je suis désolée pour les ombres, hein, mais j'ai essayé de me placer le mieux que je pouvais. Malheureusement,
Je n'arrive pas à faire sans qu'il y ait d'ombre, j'espère que ça gênera pas trop pour la vidéo. Donc, je disais, une fois que vous avez fait donc ceci, vous allez replier donc chaque côté et coller entre eux avec des bouts de scotch. Donc oui, il peut arriver que ça se décolle. Dans ce cas-là, vous renforcez avec d'autres morceaux de scotch comme ici par exemple. Alors, je vais tout de suite le faire. Donc je vais en mettre un grand en travers. De toute façon, c'est pas grave puisque on va peindre par au-dessus. Tiroir est terminé. Donc je vais faire le deuxième et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors maintenant nous allons passer à la partie intérieure de la boîte. Donc la partie intérieure, elle est comme ceci. Donc en fait on va utiliser du orange, du vert et du bleu très clair. Alors je vais vous montrer où est-ce que l'on va mettre telle ou telle couleur. Comme ça vous aurez tout de suite une vue d'ensemble. Alors pour le bleu ciel, ce sera uniquement ici en fait, dans cette partie supérieure. Donc d'abord je vais séparer, parce que comme vous l'avez vu sur l'image, cette partie là et cette partie là sont séparées en deux par les couleurs. Donc on va faire une petite ligne de séparation. Donc en fait il y a une partie au milieu où il n'y a pas de couleur, tout simplement. Donc hop. En gros, hein, de toute façon, on s'en fiche vu qu'il y aura le tiroir. Il y a juste un petit peu là sur le côté, mince, ici et un peu ici, où il faudra mettre un peu de peinture pour ne pas que pour ne pas qu'on voit trop la couleur du carton derrière si jamais les tiroirs qu'on a fabriqués sont un tout petit peu plus petits que prévu. Donc voilà, donc pour le bleu ciel, vous avez vu. Ensuite, pour le orange, ce sera ici. Et tout ici. Et pour le vert, alors le vert, il y en aura donc ici, ici et ici. Donc en fait ces deux parties là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien en fait. On va juste en mettre un petit peu sur les côtés. Hop, on va juste faire les contours. Donc admettons, ici on va mettre un peu de bleu juste ici. Encore un peu ici. Hop. Sur les deux côtés, on va mettre du orange. On va même en mettre ici. Voilà. Et on va mettre du vert là-haut. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les couleurs. Vous savez tout où est-ce qu'il faut passer toutes les couleurs. Donc je répète, cette partie-là. Et cette partie-là, il n'y a rien à mettre. Et dans ce petit rectangle-là, non plus. À part sur les côtés. Oui, sur les côtés, je vais vous dire un petit peu les couleurs que vous pouvez mettre. Oh, on n'a qu'à mettre du orange. Hop, ce sera très bien. Et hop, voilà. Donc là, je pense que j'ai tout fait. Donc je vais passer tout de suite à la peinture. Alors rectification, finalement je pense que je vais quand même peindre ici, puisque en fait en y réfléchissant on risque de voir cette face là, donc je vais peindre avec la peinture qui me reste vu que... Voilà, donc la peinture intérieure de la boîte
est terminé pour le moment. Nous allons tout de suite passer à l'étape suivante. Alors nous allons passer à la fabrication des deux derniers tiroirs. Donc je parle de celui-ci et de celui-ci. Donc en fait ce sont en gros des carrés. Alors pour les fabriquer, vous allez avoir besoin de deux carrés de 15 cm sur 15 cm et de 8 rectangles de 15 cm sur 4,5 cm. Donc pour les fabriquer, c'est pareil que tout à l'heure. Vous allez prendre, donc pour un tiroir, c'est un carré et 4 rectangles. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le faire en patron, mais moi je n'ai plus de morse carton assez grand, donc je le fais en plusieurs parties. Voici un de fait et vous faites de même pour le deuxième tiroir. Voilà, nous allons passer maintenant à l'étape de peinture de tous les tiroirs. Donc on va les peindre tous de la même couleur. Ça va être un peu un jaune très pâle voire crème. Donc c'est parti. Donc moi je vais peindre que l'extérieur, puisqu'à l'intérieur tout à l'heure je vais mettre un genre de tissu pour cacher la véritable couleur. Donc voilà en gros ce que ça donne. Il y a certaines parties que j'ai pas pris la peine de peindre vu qu'elles seront collées. Vous pouvez faire pareil, hein, vous regardez un petit peu et puis vous allez trouver facilement. Donc en attendant que tout cela sèche, vous allez pouvoir faire un petit peu de découpage. Alors il faut que vous imprimiez 5W. Donc ici oui, vous voyez bien 5. Donc vous pouvez trouver le lien dans la description. Et ensuite, il faut imprimer les petites étiquettes qui indiquent ce qu'il y a dans chaque tiroir. Donc ces étiquettes, je les ai faites moi-même parce que je ne les ai pas trouvées sur internet, tout simplement. Et vous trouverez également le lien dans la description. Alors nous allons maintenant passer au collage des W. Alors pour faire ça, il faut bien faire attention de ne pas les coller dans le mauvais sens. Donc je vais un peu bidouiller le patron dans tous les sens pendant cette partie pour ne pas me tromper. Donc en gros, la boîte sera comme ceci. Donc le premier W, déjà, il est ici. Hop, déjà. Alors, pendant qu'on y est, on va coller une petite étiquette. Donc, hop. De ce côté-là, il y a une étiquette à coller ici. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici, les étiquettes. Alors, en haut ici, c'est l'étiquette Peking Pasty. Elle est ici, voilà. Donc, en fait, vous la collez ici, un peu de coin, comme sur le modèle que j'ai, en fait. Voilà, alors j'ai collé le reste des étiquettes sur les différents tiroirs, comme vous pouvez voir aussi, là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est coller les tiroirs sur la structure principale de la boîte. Alors, pour commencer, en fait, je vais tout d'abord coller celle-ci. Donc, c'est le tiroir Fitting Fancy. Donc, il se colle en bas. En fait, il sera ici. Voilà. Donc, pour le coller, je vais d'abord mettre un petit peu de colle normale, vu qu'en fait, là, c'est toute la structure du bas qui sera collée. Au tiroir. Donc je vais également utiliser de la colle glue. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, faites très attention avec la colle glue, parce que c'est à manipuler quand même avec assez de précaution. Ensuite, ce qu'on doit coller, je vais coller le tiroir du haut maintenant. Donc le tiroir du haut, il n'y a pas d'étiquette dessus parce qu'on l'avait collé sur la partie orange là-bas. Alors pareil, je vais mettre de la colle glue, hein, parce que c'est le plus simple, je pense.
Donc une fois que tous les tiroirs sont collés, la dernière étape c'est de mettre un peu de super glue juste derrière pour coller le dos de la boîte au tiroir du bas. Alors pour ce qui est des finitions, vous allez prendre une perforatrice et vous allez faire un trou à ce niveau-là et un deuxième à ce niveau-là. Donc en fait, ce sera pour passer un fil, je vais vous montrer juste après. Voilà, alors une fois que les deux trous sont faits, vous prenez alors une petite corde ou une ficelle. Moi j'ai pris celle-ci puisque sur le modèle elle est également noire. Vous la passez dans les deux trous. Hop. Vous pouvez fermer votre boîte. Hop. Et voilà donc à quoi ressemble la boîte à flemme. Alors pour finir, donc j'ai changé quelques petits trucs. Ici donc vous pouvez voir les W, je les ai repeints avec une couleur un peu plus foncée, donc c'est un mélange de rouge et de marron. Parce qu'en fait je trouvais qu'ils ressortaient pas si on ne les voyait pas. Ensuite, vous verrez après, j'ai rajouté des petits scratchs de chaque côté pour en fait bien fermer la boîte parce que ces deux côtés là s'ouvraient, ça tenait pas bien. Donc si vous pouvez mettre des scratchs ou trouver un autre moyen, bah, faites comme vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Donc oui, derrière j'ai oublié d'en mettre un, et bon, vous pourrez le corriger. En fait il s'est retrouvé en dessous, donc à vous de corriger ça. Et donc quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc il suffit de tirer sur la ficelle, donc on enlève un des deux côtés, donc par exemple celui du haut, non j'ai choisi le mauvais, donc celui du bas, voilà. Et voilà. Donc oui, les scratchs du coup ils tiennent très bien en fait. Ça c'est... Hop, voilà. Et donc voilà notre boîte à flemme. Donc j'ai mis un peu de papier, je sais pas trop comment ça s'appelle comme papier, à l'intérieur des tiroirs, donc on voit à peu près la même chose dans les films. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.